Salut à tous, c'est Fortnite TV Show, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui on a de très grosses informations par rapport à la fin de la saison 5 et le début de la saison 6. Et ensuite à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de deux informations autres que ce thème de vidéo. Il y a un gars sur un forum américain. Le forum, c'est si vous voulez savoir, c'est Fort Auchan, enfin Fort Champ. Donc c'est 4 et c'est H-A-N, voilà. Donc il y a un gars sur ce forum qui a publié anonymement un tweet, enfin ouais, un post quoi, de ce qui pourrait être une liste d'événements et de scénarios de la fin de la saison 5 et du début de la saison 6. Donc il a donné plein de détails par rapport à ça. Et en fait il a montré, enfin il a affiché une image de l'explosion du cube. Donc c'est juste ça que je l'afficherai à l'écran. Donc par rapport à ces photos, je pense pas que ce soit un montage parce que c'est quand même dur à faire. Donc peut-être qu'il y a des informations que nous on n'a pas. Et donc d'habitude ces genres de tweets, ben on prend ça un peu à la rigolade. Mais je pense que là, on devrait accorder de la crédibilité à ce poste, parce qu'il y a vraiment des détails qui attirent l'attention, qui pourraient être vrais. Donc du coup, bah, c'est à suivre quoi. Il a commencé par dire que les exécuteurs ne pourraient ainsi pas vivre sur Terre et auraient donc envoyé le cube pour en changer l'atmosphère. Et d'où les dômes anti-gravité qui sortent de ces derniers, quoi, qui protègent le cube et qui miment l'atmosphère de leur planète d'origine. Et lorsque le cube atteindra le lake, comme c'est prévu par les data miners, il en absorberait toute l'eau et enverrait de l'énergie aux dômes qui entourent les runes pour les faire grandir. Donc ça, je l'avais dit dans ma vidéo, l'eau devient lave à le lake. Ensuite, donc il dit que la saison 5 se terminerait donc avec un loot lake à sec, donc il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, et des dômes deux fois plus grands qu'ils ne sont actuellement. Donc déjà, les dômes actuellement, si vous regardez bien, ils sont déjà bien grands, et là, si le gars dit qu'ils sont deux fois plus grands, voilà, ça va être un truc de malade. Donc le trailer de la saison 6 montrerait également des personnes marchant vers le cube et se faisant repousser par son pouvoir. Donc bien évidemment, le trailer, si j'arrive à l'avoir, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, voilà, parce que là je vais mettre cette vidéo là et ensuite je mettrai le trailer si j'arrive à le mettre. Drift, le personnage principal de la saison 5, marcherait ensuite à son tour vers le cube qui n'arriverait pas à le repousser, donc seul lui aurait des pouvoirs. Il essaierait alors de le frapper à grand renfort d'éclair jusqu'à exploser pour créer un trou noir dans ce qu'était Loot Lake. Donc, autre information par rapport à ce fameux Loot Lake. Bien évidemment, tous ces changements entraîneront des modifications, enfin des changements par rapport à la map, bien sûr. À commencer par le bunker de Wollingwood qui finira enfin par s'ouvrir selon lui. La personne qui résidait à l'intérieur de ce bunker construirait un restaurant de poulet dedans. Donc ça, je sais pas pourquoi un restaurant de poulet, je sais pas pourquoi un restaurant dans ce bunker, mais voilà, c'est ce qu'il dit. Donc on verra s'il a raison. Un des skins du nouveau base de combat serait d'ailleurs la mascotte de ce restaurant. Voilà, pourquoi pas. Et au cours de la saison 6, ce restaurant deviendrait un parc d'attractions et finirait par remplacer Wollingwood. Donc si c'est vraiment un parc d'attractions, ce serait vraiment génial. Et en plus, pour remplacer Hollywood, bah moi ça me va parce que Hollywood, on n'y va jamais, ça sert à rien. Du coup ce serait assez stylé. Donc par ailleurs, d'autres restaurants à thème ouvriraient au cours de la saison avec leur propre mascotte et skin attaché. Donc déjà dans la mise à jour 5.40 là actuelle, on a déjà deux restaurants qui ont ouvert. Un de style dépôt et. Enfin de style dépôt, non c'est. C'est redevenu de Cidebo, non, je sais plus. Bon, de Cidebo ou de Cidebo. Et le deuxième restaurant qui a ouvert dans ces mises à jour, c'est le
restaurant à Cité, voilà, qui ont fait le bâtiment. Ensuite, Dour Burger s'agrandirait lui aussi. Dour Burger, il me semble qu'il est à Grace Grove. Et de son côté, le Lonely Lodge serait abîmé par l'explosion du cube et deviendrait une attraction touristique similaire à Dusty Diner. Ah, c'est Dusty Diner, d'accord. Voilà. On y trouverait des canoës jouables, des grottes et une rivière. Ça, ce serait sympathique. Parce que, pareil, un Lonely, comme Hollywood, personne n'y va jamais, à part pour les défis. Et donc, que ce soit une attraction touristique avec des canoës, des grottes et une rivière, franchement, ce serait pas mal. Ce serait vraiment très stylé. Enfin, un trou noir serait donc présent au milieu de l'été, voilà comment on a pu le dire avant. Et au cours de la saison 6, les exécuteurs construiraient une ville futuriste autour de lui. Donc autour de l'Outtake. Le trou noir en lui-même serait un portail vers le Dark World. Donc enfin, le monde sombre, quoi. Donc ça, voilà, ce serait assez intéressant de rentrer dans le portail. Des cristaux joueraient également un rôle important dans la saison 6. Il serait ainsi apparemment possible de se rendre dans le Dark World soit grâce au trou noir de l'Outlake, soit grâce à ces cristaux qui seraient des restes du cube explosé, disséminés à divers endroits de la map. Voilà. Et par rapport au Dark World, ça me fait penser à un truc. Je vous avais fait bah pareil pendant la vidéo, l'eau va devenir l'Outlake, enfin l'eau va devenir lave à l'Outlake. Je vous avais mis l'écran de chargement du numéro 10, voilà, de la saison 5. Et on avait pu voir que le Bright Bomber s'était transformé en une espèce de. Pardon, ce matin j'ai du mal. En une espèce de personne maléfique, voilà, dans le cube. Donc ça pourrait être lié au Dark World, hein, on sait pas. Ensuite, le Dark World serait apparemment une version plus sombre de la map, où il est impossible de voir les autres joueurs ou d'être vu par eux. Il serait également impossible d'utiliser des armes et des skins déjà existants auraient droit à leur version Dark, donc ma théorie serait bonne, en saison 6, et optionnable grâce à des défis à l'image du skin Monsieur Tomate. Voilà. Donc, du coup, il y aurait une nouvelle map, le Dark World, donc ça, enfin une nouvelle map, si le gars dit vrai. Et cette dernière affirmation de la part du gars renvoie directement à l'écran de chargement de la semaine 10 qui avait fuité la veille de la publication du post et que vous pouvez retrouver ci-dessous. Donc ça, j'avais dit. Donc ma théorie semble bonne. Parmi les autres skins, nous retrouvons donc les mascottes des restaurants dont nous avons déjà parlé plus haut, mais aussi des skins ayant pour thème le camping, le tourisme qui sera à Lonely Lodge et des personnages futuristes bien sûr parce que. Ils disent que enfin, autour de l'Outlake, ça va. Il y aura un monde futuriste qui va se construire. Encore une fois, pardon, toutes ces informations doivent être prises avec des pincettes. Et il y a de grandes chances qu'elles aient été inventées de toutes pièces à partir de quelques bribes d'informations qui avaient été déjà rendues publiques via des annonces officielles ou des fuites bien plus crédibles. Donc, ouais, donc ça, c'est ce qu'ils disent sur le site. Donc, sur le site, donc je vous mettrai le lien dans la description, comme toujours. Et sur le site d'Excerto, ouais, ils disent qu'ils vous font ces informations un peu à la légère, qu'on va dire, mais franchement, si ce gars a tout bon, si ce gars dit que, enfin, si ce gars dit qu'il y aura une nouvelle map, qu'il y aura un portail vers le Dark World, qu'il y aura une map futuriste, qu'il y aura des nouveaux skins, que le bunker sera ouvert sur un restaurant, qu'il y aura plusieurs autres restaurants dans les jours, enfin, dans les semaines à venir, que Lonely sera, enfin, sera un peu détruit par le cube. Et qu'il y aurait une genre de nouvelle ville. Et que Hollywood, pareil, serait un parc d'attractions. Mais je vous dis pas la map. Enfin, les maps de malade, franchement. S'il a raison, ce gars. Je sais pas comment il fait, franchement. Après, est-ce que c'est un employé d'Epic Games comme l'a dit dans sa vidéo. Est-ce que il va dans le futur? Est-ce qu'il vient du futur? On sait pas. Mais en tout cas, ces détails sont vraiment très précis. Alors, est-ce que. Enfin, comme dirait le site, est-ce qu'il nous troll trou, il nous troll tous, pardon, et qu'il dit des détails, mais qui sont complètement, enfin, faux, quoi. En tout cas, on sait pas. Mais j'ai hâte de découvrir la fin de cette saison 5 et le début de cette saison 6 pour voir ce qu'il a raison, pour voir si tout est bon. Mais franchement, si, je sais pas, s'il a tout bon, j'en reviendrai pas, quoi. Parce que, il faut qu'il. Parce que là, il a posté un tweet anonyme, comme j'avais dit, mais si,
C'est vrai, il faut qu'il se montre et il faut que les prochaines saisons, comment dire, ils disent tout quoi. En avance. Ou alors ouais, enfin alors c'est juste un employé de d'Epic Games qui fait ça anonymement et que du coup bah il avoue tout sans peut-être l'accord d'Epic Games. Et du coup vu qu'Epic Games bah enfin son tweet est anonyme, bah du coup ils savent pas qui c'est. Et du coup ils disent que il faut penser à la légère, enfin voilà. Il y a plein de théories, mais du coup voilà. Donc je mettrai ce site dans la description. Donc deuxième information par rapport à cette vidéo. Apparemment il y aurait des ballons, enfin des consommables ballons qui ont été ajoutés dans les fichiers du jeu. Donc malheureusement je pourrais pas vous l'afficher à l'écran parce que voilà j'ai pas les fiches, enfin j'ai pas le screen. Parce que ça arrivait il y a 3 jours, mais voilà, il n'y a pas plus d'informations par rapport à ça. Ils disent que il y a des ballons qui devraient arriver dans. Enfin qui seraient arrivés dans les fichiers du jeu, donc pourquoi pas. Enfin, des nouveaux ballons qui arriveraient dans les prochaines semaines du poteau. Enfin, à mon avis, vu que c'est juste un projet comme les grenades et comme le quadruple lance-roquette, à mon avis, ça va arriver dans la saison 6, hein, parce que voilà, ils vont pas mettre ça à la fin de la saison 5, ce serait bête quand même. Mais apparemment, vous prenez le ballon. Enfin, ils disent que vous prenez le ballon. Enfin, si jamais vous êtes dans une situation un peu délicate en fight ou quoi. Vous prenez le ballon et vous voulez avec. Enfin. Ça c'est à voir hein, pareil. Ça reste un petit. Enfin c'est pas un projet mais. Ça reste une théorie. Hein, on verra bien. Et dernière information de cette vidéo avant de se quitter. ah oui. Apparemment. Excusez-moi, je suis un peu malade. Apparemment. Enfin. Je vous mettrai la vidéo et je vous mettrai la vidéo et l'image de ça. Mais il y aurait eu. Enfin, déjà sur le forum Reddit, il y aurait enfin un gars aurait posté une photo et en fait cette photo, donc je vais vous l'afficher à l'écran, cette photo cette photo montre en fait un gars qui loot dans l'eau de Lootech et qui voit des petits signes du cube. Donc comme enfin en fait ces signes c'est les mêmes signes que le cube quand il dépose enfin les mouvements là quand le cube fait un mouvement il dépose un signe avec une flèche et bah là ces mêmes signes sont retrouvés dans Lootlake quand un gars a voulu loot bah, dans ce lac quoi mais ces signes sont apparus quelques secondes là. Donc c'est un signe par rapport au cube parce que tout le monde sait qu'il va arriver à Lootlake donc voilà il s'approche très bientôt. Et je vous mettrai aussi la vidéo parce que une autre vidéo qui montre qui montre que une team va looter à Lootlake et puis ils voient une espèce d'éclair dans l'eau qui jaillit de l'eau. Un éclair qui dure 2 secondes. Donc pareil ça je vous mettrai. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin pour cette grosse vidéo. Franchement j'ai hâte d'être à la saison 6. J'ai trop hâte. Donc comme je vous dis, je vous mettrai le site d'Exerto en description pour que vous alliez voir cet article du gars, de l'anonyme. Je vous mettrai la vidéo qui est très bizarre de l'éclair. Et la photo du signe du cube dans l'eau. Donc voilà. Après j'ai plus rien à dire, non. Je vous dis, hein, si j'arrive. Parce qu'en fait, je sais pas si le trailer de la saison 6 a des droits d'auteur. Donc c'est pour ça que j'hésite à la mettre. Mais si je la trouve, bah, je la mettrai. Mais si par contre, il y a des droits d'auteur, bah du coup, je la mettrai pas. Hein, parce que j'ai pas envie de me prendre un strike. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et surtout, à liker et à partager. Pour que tout le monde soit au courant de ces grosses informations par rapport au pro à la prochaine saison. Et du coup, nous on se dit à la prochaine. Ciao!